Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de ce samedi, la RDC hausse de nouveau les tons face à l'agression rwandaise sur son sol. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exige pour une nouvelle fois des sanctions individuelles et collectives contre les autorités rwandaises et les terroristes du M23 qui continuent de voler en éclats les différents accords de cessez-le-feu signés. Le chef de l'État l'a dit à la ministre belge des Affaires étrangères. On en revient au début de ce journal. Également sommaire de votre 13h, pas des morts. Pas de blessés, pas de casses, bref, aucun incident malheureux enregistré au stade de Martyr à l'aéroport de Ndolo, tout comme à l'aéroport d'Ndjili durant la visite papale en terre congolaise. 7500 policiers ont été déployés dans tous ces sites pour assurer non seulement la sécurité du pape François, mais aussi de la population pendant tous les événements. Le général Silvano Kassoro, le numéro 1 de la police nationale ville de Kinshasa, qui a fait le bilan, vous l'entendrez dans un instant. Et enfin, 83 otages libérés de main des ADF par les FARDC, 28 miliciens neutralisés et 14 autres capturés pour le mois de janvier 2023 sur l'axe Komanda Lula et Komanda Mambasa dans la province de l'Ituri. Le bilan a été fait par le gouverneur militaire. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la Radio-Télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. La situation dans l'est de la RDC sera de nouveau au cœur d'un sommet de chefs d'État de la communauté est-africaine qui s'ouvrait bientôt au Burundi. Il sera question au cours de cette réunion d'évaluer la mise en œuvre de la feuille de route qui exigeait le retrait de forces terroristes du M23 soutenues par le Rwanda sur le sol congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, qui est déjà sur place, va également plaider pour la redynamisation du mandat des forces de l'EAC. Il est accompagné de son directeur de cabinet Guylaine Nyembo et du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. On en revient en détail dans nos prochaines éditions. Présidentielle 2023 en RDC. Félix Antoine Tshisekedi ne déboursera aucun franc pour le dépôt de sa candidature. Tous les frais de sa caution seront totalement pris en charge par les notables de la Grande Orientale. Une délégation des leaders politiques de cette partie du pays l'a dit de vive voix au président de la RDC au cours d'un échange. C'était bien avant que les garants de la nation s'envolent pour Bujumbura. Suivez. Ce n'est qu'un échantillon des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale conduit par le coordonnateur du Conseil présidentiel d'éveil stratégique, CPVS, la délégation est venue échanger avec le chef de l'État sur les modalités autour d'une rencontre élargie dans le tout prochain jour avec tous les leaders politiques et communautaires qui composent la Grande Orientale. L'opinion se rappelle, il y a peu, il y a eu une grande messe, comme on dit, à Béatrice, pour laquelle le Grand Oriental, avec ses chefs coutumiers, société civile, notabilité politique, ont manifesté leur détermination à pouvoir accompagner le président de la République, non seulement pour que son premier mandat ici se termine dans de bonnes conditions, mais davantage encore de lui donner la possibilité de pouvoir achever l'œuvre entamée avec un second mandat. Nous venons de voir les chefs de l'État qui a accepté l'idée que ceci ne soit qu'un prélude à une grande rencontre qui se fera ici même à l'Union africaine entre le chef de l'État et une plus grande délégation du Grand Oriental. La proposition du Grand Oriental, peut-être que ça lui a été restitué, le président est bien entendu ravi de constater effectivement que dans cette partie-là de la République, qui n'est pas nécessairement ce qu'on appelle un fief du chef de l'État, il y a des compatriotes, il y a des responsables qui reconnaissent les efforts qui sont faits, notamment en ce qui concerne la recherche de la paix pérenne. 2023 étant une année électorale en République démocratique du Congo, la Grande Orientale a fait savoir au grand public le choix de son candidat. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la caution de sa candidature, sera prise en charge par la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, a fait savoir Madame Carole Aguito, membre de cette structure de soutien à la candidature du chef de l'État. Nous sommes en train de cotiser, nous continuons les cotisations puisque nous les avons déjà lancées et nous savons que le moment venu, nous allons juste demander à notre candidat, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
de nous donner son dossier administratif et nous, nous allons nous occuper du paiement de sa caution auprès de la CENI. Le moment n'est pas encore arrivé puisque les guichets seront ouverts à cet effet au mois de septembre, suivant le calendrier communiqué par la CENI. La cotisation est votée. La Grande Orientale est composée des provinces de la Tchopo, de l'Ituri, du Haut et de Bazouélé. Je le disais à l'ouverture de ces journaux, l'RDC hausse de nouveau les tons face à l'agression rwandaise sur son sol. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exige pour une nouvelle fois des sanctions individuelles et collectives contre les autorités rwandaises et les terroristes du M23 qui continuent de voler en éclats les différents accords de cessez-le-feu signés. Le chef de l'État l'a dit à la ministre belge des Affaires étrangères. Cet émissaire belge a aussi réitéré la volonté de son pays de jouer à la médiation pour la escalades des tensions entre l'RDC et le Rwanda. Regardez. La Belgique réitère son appel à la désescalade concernant la tension qui règne entre Kigali et Kinshasa. Bruxelles souhaite une reprise du dialogue entre les parties concernées dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. Le sujet a été évoqué lors de la rencontre du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce vendredi midi avec une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labib. Compte tenu essentiellement de la situation à l'est de la République démocratique du Congo qui nous inquiète. Même si, il faut le dire, les tensions sont extrêmes, nous voulons absolument que soit évité une escalade du conflit qui conduirait à une guerre ouverte. Je pense que cette région de l'est du pays a suffisamment souffert. Plus de 25 ans de conflits, des milliers et des millions de déplacés. Et donc nous pensons aussi qu'à l'approche des élections qui sont donc fixées au 20 décembre prochain, il convient plutôt d'appeler toutes les parties à se parler et à appliquer le processus de Nairobi et de Luanda. Selon la ministre belge Adja Labib, son pays appuie également le respect des résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23. J'espère que le Rwanda et la RDC pourront s'asseoir à la même table, se parler et appliquer les accords qui ont été signés, donc cesser aussi toute stigmatisation de communautés, d'ethniques, et aussi aboutir au désarmement, à la démobilisation du M23 et de l'autre côté aussi du FDLR. Nous veillons aussi à ce que soient respectées les frontières internationales reconnu de la RDC. La Belgique est à pied d'œuvre, elle est aux côtés de la RDC. Ce n'est pas à moi, je pense, à dire ce que doit faire la force régionale. Elle est sous commandement kényan. Je pense que c'est à la région à décider, avec les différentes forces en présence, ce que doit faire cette force. Est-ce qu'elle doit être défensive, offensive? Bon, il y a une perte de crédibilité que nous avons constatée au niveau de la MONUSCO. Cette force est en transition. On est tous d'accord qu'elle ne correspond plus, après 25 ans de présence, à l'attente de la population. On observe aussi qu'il y a la même défiance aujourd'hui de la population de l'Est vis-à-vis de cette force régionale. C'est un peu aux partis à dire maintenant ce qu'ils sont prêts à faire et à comment ils vont répondre à cette volonté de paix aussi qui est nourrie en premier lieu par la population qui souffre depuis trop longtemps. La partie congolaise demande à tous ses partenaires de passer des paroles aux sanctions individuelles et collectives contre les autorités rwandaises et les terroristes du M23, ainsi que contre l'État rwandais qui bafoue le droit international. Écoutez, c'est clair, comme de l'eau claire dans un verre clair, le chef de l'État l'a dit devant le corps diplomatique, aujourd'hui, comme hier, comme demain, aucune génération des Congolais n'acceptera de céder un seul mètre carré, je vais même dire millimètre carré, de notre territoire à un quelconque pays pour établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Ce que nous demandons à tous nos partenaires, africains, européens, à travers le monde, maintenant, c'est la sanction
les sanctions collectives et individuelles, économiques, politiques, et je pense que chacun des partenaires a ses mécanismes internes et est capable de matérialiser des proclamations de points de condamnation à travers des actes d'intérêt. Et c'est ce que nous entendons. Dernière question pour moi. Le sommet extraordinaire de Bujumbura, convoqué par Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, qui se tiendra ce samedi 4 février en présence des chefs d'État de la sous-région, aura pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des résolutions du mini-sommet de Luanda pour une sortie de crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Fin des plaisirs du séjour du pape François en RDC. Les souverains pontifes séjournent pour l'instant au Soudan du Sud avant de regagner bien évidemment Vatican. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accompagné son hôte de marque jusqu'au pied de l'avion à l'aéroport international de Ndjili pour son départ. Revenons sur ces moments émouvants avec Blandine Zovon. 7 heures passées de quelques minutes. Sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili, l'équipe de pilotage et toute la suite qui accompagne le pape investit les lieux, prête pour l'embarquement. Bagages rangés, tout est déjà au point pour le départ du Saint-Père. C'est un dispositif sobre et restreint qui précède l'arrivée du pape à l'aéroport. Juste un échantillonnage requis pour accompagner dans la sérénité le départ du pape François. Vient alors le tour des officiels et autres acteurs socio-administratifs qui arrivent à tour de rôle, suivant l'ordre établi par le protocole. L'instant est empreint de beaucoup d'émotions. Le plus heureux de tous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a gagné son pari. Installé au salon du pavillon présidentiel, le chef de l'État est venu accompagner son invité de marque, et père spirituel d'une multitude de chrétiens. Arrive enfin le cortège du Saint-Père, accueilli à l'entrée du pavillon par le chef de l'État. Le temps d'un aparté de quelques minutes entre les deux personnalités dans ce cadre VIP où se trouvent également quelques officiels venus recevoir la bénédiction du prince de l'Église. Suivra alors la cérémonie d'au revoir, agrémenté par la fanfare de la garde d'honneur, heureux qui, comme le pape François, a effectué un beau voyage, pourrait-on lire visiblement du visage du Saint-Père. Sur son sacré fauteuil roulant, avec à ses côtés le président de la République, le pape, encadré par sa suite, a arpenté le tapis rouge, déroulé pour la circonstance, jusqu'à prendre place à bord de son avion de pèlerin, l'Airbus de l'ITA Airways, qui s'envole pour Djouba, capitale du Soudan du Sud. Des instants d'adieu émouvants. Rencontrer le Saint-Père, c'est le souhait de tout prêtre. Et le voir, quelqu'un de grand, si grand comme lui, mais en face, il est tellement simple que vous êtes déconcerté quand vous le rencontrez. C'est un modèle de l'autorité, un modèle de la responsabilité. C'est une bénédiction pour notre pays, et spécialement le pape, 38 ans après, c'est une très grande bénédiction. Nous sommes sûrs qu'il a entendu les cris, il a entendu les discours du président, il a lui-même suivi les témoignages. Par ses prières, nous pensons que nous allons trouver gain de cause. Nous disons un grand merci au président de la République, que le Seigneur le protège, les donne beaucoup de bénédictions, de courage, de protection surtout et de paix. Ainsi s'achève la mission apostolique de 4 jours effectuée par le pape François en République démocratique du Congo. L'on retiendra pour l'essentiel le message interpellateur du pape François adressé à toutes les catégories sociales qu'il a rencontrées, lequel s'est cristallisé autour des valeurs de l'humanité, du pardon, de la justice et de la réconciliation, base d'un renouveau spirituel pour un Congo réunifié. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Pas de morts, pas de blessés, pas de casses. Bref, aucun incident malheureux enregistré au stade du Martyr à l'aéroport de Ndolo, tout comme à l'aéroport de Ndjili durant la visite papale en terre congolaise.
7500 policiers ont été déployés sur tous ces sites pour assurer non seulement la sécurité du pape François, mais aussi de la population pendant tous ces événements. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale, le général Silvano Kasongo, félicite ses troupes pour le gros du travail abattu. Cédric Kinina pour les détails. Un dispositif sécuritaire exceptionnel pour une personnalité planétaire. Le souverain pontife à Kinshasa. La police de la ville de Kinshasa a correctement fait son job, reconnaît le commissaire divisionnaire adjoint de la police, patron de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Nous avons eu la visite du pape 31 janvier au 3 février. La police est au four à moulin. Nous sommes satisfaits du travail de la police. Ça n'était pas une chose facile, mais avec la convention de la population, nous avons fait un travail formidable. Vous savez, le pape est arrivé le 31, il fallait l'accueillir, il fallait le sécuriser. Tout le long de son parcours, il n'y avait aucun incident. Le même jour, il y avait la veillée à Nolo. Vous savez, il y a eu des menaces par-ci par-là. Il y a des oiseaux de mauvaise augure qui préconisaient des choses macabres. Heureusement que Dieu était de notre côté. Nous avons pris disposition, la fouille encadrait les mamans, les papas et les autres qui ont passé la nuit à la porte de Nolo. Ça, c'était le 31. Le premier, c'était la grande messe, estime plus d'un million de personnes. À l'aéroport de Nolo, il y avait 30 hommes et 28 ici. Ça nous a beaucoup aidé. Il fallait fouiller toutes ces personnes-là et les personnalités qui étaient là. On a travaillé d'arrache-pied et ça s'est passé sans aucun incident. Les enfants qui étaient perdus étaient retrouvés et remis entre les mains de leurs familles respectives. Il y avait des biens qui étaient perdus aussi, qui étaient récupérés et remis aux propriétaires. Ça s'est très bien passé. Mais alors, quelle a été la recette? Il y a eu beaucoup de réunions qui se sont au niveau du gouvernement avec le Premier ministre, beaucoup de réunions. Il y a eu des réunions au niveau du commissariat général, avec le commissaire général, des instructions. Il y a eu des directives opérationnelles. Et nous avons fait maintenant un ordre opérationnel. On avait l'appui de la 14e région. Mais il y avait aussi une convention étroite avec le garde républicain. Vous savez que le pape a double casquette, il est chef religieux et en même temps il est chef d'État. Alors, il fallait travailler avec la garde républicaine, c'est ce qui a réussi. Et puis les moyens aussi que le commandant suprême a mis la justice de la police, qui a aidé à motiver les policiers et à travailler avec professionnalisme. Plus d'un million de personnes sur les sites d'Ndolo pour assister à la messe papale, plus de 65 000 au stade des martyrs, aucun cas malheureux. Du moins, pas de morts, moins encore des blessés. Un tableau plus que satisfaisant d'un travail de pro. Les garants de la nation s'est réjoui de la mobilisation tous assumés que les Congolais ont réservé pour accueillir les souverains pontifs. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a manifesté toute sa satisfaction au cours de la 85e réunion du Conseil de ministres tenue en distanciel en visioconférence. On écoute un extrait de ce Conseil de ministres avec le porte-parole du gouvernement et ministre de médias et des communications, Patrick Muyaya. Le président de la République, chef de l'État, a au nom de toute la nation congolaise exprimer sa joie d'avoir accueilli le pape François à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette visite du souverain pontife, 38 ans après celle du pape Jean-Paul II en 1985, est un honneur qui a été fait à la République démocratique du Congo. La grande mobilisation et la ferveur observées à travers la République au cours de ces quatre derniers jours ont démontré à quel point le pape François était attendu par la nation congolaise dans sa plus grande diversité, avide de réconciliation et de paix, a martelé le président de la République. Placé sous les thèmes « Tous réconciliés en Jésus-Christ », la présence du chef de l'Église catholique en terre congolaise est venue rappeler le rôle pivot normalement dévolu à l'Église au sein des sociétés humaines et dans le monde, celui d'être au milieu du village, c'est-à-dire sincèrement résolu à faire taire les divisions et à œuvrer pour l'avènement d'une paix durable entre les hommes et les nations. Cette visite a été marquée par l'attention portée par sa sainteté les papes sur les défis actuels et futurs auxquels est confrontée la République démocratique du Congo. Le président de la République s'est dit réconforté par l'appel à la résistance lancé par François dans son adresse aux autorités publiques,
au corps diplomatique, à la société civile et aux forces vives de notre pays, face à la tentative méprisable de fragmentation de la République démocratique du Congo à la base de la guerre, injuste qui est imposée à notre pays et à l'Afrique par des puissances étrangères. Dans le même élan, le Saint-Père a invité les protagonistes du pillage en Afrique à retirer leurs mains de l'Afrique et de la République démocratique du Congo et d'arrêter de les étouffer. Le président de la République a souligné l'invitation du Saint-Père de voir l'Afrique œuvrer résolument pour son indépendance économique en prenant son destin en main, tout en mentionnant également l'importance d'éveiller à l'éducation comme pilier du développement de toutes les nations. Le président de la République s'est félicité de la sensibilité éprouvée par le pape à la défense de la cause des victimes de l'Est au niveau mondial, tout en condamnant l'inaction et les silences de la communauté internationale face aux exactions terroristes commises au service des intérêts étrangers. C'est une première dans l'histoire de la RDC. Denise Nyakeru Tshisekedi est la première dame choisie pour parrainer une promotion de l'école militaire. Elle a remis des diplômes attestant la fin des formations à 185 lauréats militaires, dont 5 femmes, de la 6e promotion de l'école de formation des renseignements. Naïcha Kiala, José Baitombo et Charles Malelo nous en disent long dans ces reportages. Ces stagiaires qui avancent à pas sûrs dans l'amphithéâtre des corps d'armée Mobutu Sese Seko sont à quelques minutes d'un couronnement, celui sanctionnant la fin de leur formation. Des 150 militaires étaient inscrits au départ de cette 6e promotion de l'école de formation des renseignements assurée par les instructeurs français et congolais. 185 d'entre eux ont franchi avec succès la ligne d'arrivée. La clôture de cette session enrichit les forces armées de la République des nouveaux officiers militaires de renseignement en ces moments où les pays en ont grandement besoin. Votre rôle consistera donc à dissiper les brouillards sur l'ennemi, à indiquer avec précision sa position, ses ressources, son volume et son intention. Le succès de chaque contact dépendra en grande partie de votre capacité à infiltrer les dispositifs ennemis au bénéfice de la troupe. Une unité à même de répondre aux contraintes naturelles et physiologiques qui se présentent, ce qui réjouit Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame et marraine de cette promotion. Elle les a appelés à plus de professionnalisme afin de renforcer les opérations en cours pour vaincre l'ennemi de la RDC. Championne du genre, Denise Nyakeru salue la présence de 5 lauréates femmes avant de lancer un plaidoyer sur la promotion des compétences féminines dans l'armée et au front. En ces moments difficiles où notre pays fait face à une guerre injuste, vous imposée par le Rwanda, à cause de nos ressources naturelles, j'ai tenu à être présente aujourd'hui à cette cérémonie pour témoigner tout mon soutien à nos vaillants militaires qui consentent d'énormes sacrifices pour défendre l'intégrité du territoire national. En tant que femme congolaise, je me réjouis de la présence de 5 femmes parmi les 185 lauréats de cette convention. Cependant, je me questionne en même temps sur le faible taux de représentativité dans cette session 2021-2022, soit 3%. Ce constat est presque général au sein de nos forces de sécurité. C'est l'occasion pour moi de plaider auprès des autorités militaires qu'elles assurent une présence féminine dans les commandements de différents services de sécurité et d'impliquer davantage les femmes dans les opérations dans les zones de conflit. Cette formation rentre dans le cadre du processus de la réforme de l'armée congolaise pour contribuer à la montée en puissance des FARDC telle que voulue par les commandants suprêmes, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une première depuis l'histoire de l'RDC qu'une première dame parraine une promotion de cette école. Je le dis au sommaire, 83 otages libérés de main des ADF par les FARDC, 28 miliciens neutralisés et 14 autres capturés pour ces mois de janvier 2023 sur l'axe Komanda Lula et Komanda Mambasa. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Le bilan a été fait par le gouverneur militaire. C'est un reportage de Junior Selemani.
Le FRDC en Ituri sont résolument engagés et décidés de traquer le terroriste ADF et imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyan Kachemadjouni, sa philosophie du commandement aux unités engagées au front sont de plus en plus plausibles sur l'axe routier. Commandant Luna et commandant Mambasa, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FRDC en Ituri, dresse le bilan des opérations menées contre les ADF, MTM et leurs supplétifs dans la période allant de décembre à janvier. Six de ces opérations, les forces armées ont libéré 83 personnes qui étaient sous l'emprise des ADF. Les forces armées ont neutralisé 28 éléments des ADF, MTM. De l'autre côté, 14 ADEF et leurs collaborateurs ont été capturés sur le champ de bataille. Donc une grande satisfaction par la population locale qui recommence à regagner leur village. Pour nous, le fait final recherché par le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyan Kachemadjouni, qui est en même temps le commandant des opérations, le fait final recherché ici, c'était que la restauration de l'autorité de l'État et que la population vague librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire, nous appelons la population à faire confiance à son armée, à aiguiser la collaboration et le patriotisme pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix qui sont avec nous et qui utilisent nos fils et filles pour faire du mal à notre population. Dans la même veine, les forces armées ont permis aux habitants de Djalasiga, en chefferie de Zalourdjouganda, en territoire de Mahagi, de regagner leur milieu d'origine. Par ailleurs, le porte-parole de FARDC en Ituri, au nom du gouvernement militaire, appelle la population de se désolidariser des ennemis de la paix et de faire confiance aux forces régulières envie de mettre hors d'état de nuire les groupes armés locaux et étrangers dont l'objectif est de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population. Après le Grand Katanga, cap vers le Grand Bandundu, Denis Kadima, président de la CENI, est allé s'assurer du bon déroulement du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. À son arrivée dans la province du Kwilu, première étape de son périple, Denis Kadima a discuté avec les autorités provinciales sur la sécurisation de ces processus. C'est un reportage de Teti Samba et Jérès Tofunche. Après avoir sillonné 5 de 9 provinces que compte l'ère opérationnelle 2, le président de la Commission électorale nationale indépendante, en compagnie de Fabien Boko, membre de la plénière, s'est rendu dans la province du Kwilu, l'une des 10 provinces comptant l'ère opérationnelle 1, pour s'assurer du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette contrée. Aussitôt arrivé, Denis Kadima Kazadi, numéro 1 de la centrale électorale, a rencontré le maire de la ville de Kikwit, en présence du président du bureau de l'Assemblée provinciale du Kwilu, qu'accompagnait le secrétaire exécutif provincial Kwilu et de la chef d'antenne de Kikwit. La question de la sécurisation de l'opération était au cœur de leurs échanges. Ici à Kikwit, c'est dans l'ère opérationnelle 1. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut que tout le monde vienne s'inscrire parce que nous n'allons plus prolonger. Donc il est essentiel que chacun prennent conscience de ce fait-là. Denis Kadima Kazadi a réitéré la détermination de son institution à tout mettre en œuvre pour ne laisser personne de côté au cours de cette opération qui concerne l'ensemble des Congolais. Par la suite, Denis Kadima Kazadi et toute sa délégation s'est dirigée dans les centres d'inscription des électeurs des instituts Ngemba, Waiwai et Luzolo. Ce, avant de tenir une réunion opérationnelle au siège de l'antenne de Kikwit, avec notamment les contrôleurs techniques territoriaux et les contrôleurs techniques provinciaux. Les coordonnateurs du mécanisme de suivi appellent les gouvernements à revoir le plan de réhabilitation des infrastructures scolaires dans la province du Grand Bandundu, il a dit, après sa visite dans quelques établissements scolaires dans ce coin du pays. Suivez. En séjour dans la ville de Kikwit, dans le cadre de la sensibilisation de la population de l'espace Grand Bandundu pour s'approprier le processus électoral, les hauts représentants du chef de l'État, Claudie Balanquier Colomba, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord CAD d'Addis Abeba, a fait un constat amer de l'état de délabrement très avancé de quelques infrastructures scolaires
et routière à Kikwit. La tournée d'inspection démarre par la visite des bâtiments de l'Institut Kazamba sur place. Le constat est désolant. Cette vieille école, construite depuis 1971, se trouve en voie de disparition dans le système éducatif congolais, selon le propos des enseignants. Pas de bons, ajoutez à cela l'impayement de certains enseignants. Nous commençons par l'école, car l'avenir de la jeunesse, c'est entre les mains de ses enfants. Les ministres, les députés seront parmi ses enfants. Les doléances ont été soumises à Claudie Balanqui pour transmission au chef de l'État afin que les solutions urgentes soient prises. Dans le cadre du soutien à la gratuité de l'enseignement, le haut représentant du chef de l'État, lui-même fils du terroir, a pris l'engagement de procéder à la réhabilitation de cet établissement scolaire. Claude Ibalanqui a instruit l'architecte d'entamer les études de faisabilité pour amorcer les travaux de réhabilitation de cette école. Faisant d'une pierre deux coups, quelques ravins se trouvant dans la commune de Kanzombi ont été visités. Claude Ibalanqui a promis de rencontrer les responsables de l'OVD et Office des routes pour des solutions urgentes. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Attacha Machine et Nacha Kumbava. L'actualité continue sur nos antennes. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Thank you.